Une victoire inespérée pour cette grimpeuse dont l'objectif lors du championnat de France sur route était d'abord de travailler pour son équipe Vienne Futuroscope. Mais la jeune Marion Rousse, 21 ans, a profité d'une échappée. Elle a alors attaqué avec Julie Krasniak. C'était très très dur. On est parti à deux tours de l'arrivée avec Julie Krasniak. Et c'est vrai qu'elle était vraiment en forme, elle passait des bons bouts. Et au sprint, je savais que j'allais un peu plus vite qu'elle. Donc on a coopéré toutes les deux et voilà, la victoire est au bout. Merci Julie. Bravo. L'inusable Jeannie Longo, 53 ans, n'arrive que 12e de la course. Et la maman de Marion n'est pas loin, très fière de sa fille. Je n'ai pas su aller voir l'arrivée. J'étais impressionnée et puis j'avais un peu peur. Mais je savais qu'au sprint, elle allait gagner. Marion monte sur le podium sous le regard de ses coéquipières et c'est peut-être un nouvel avenir qui s'ouvre à elle.